Salut à tous! Aujourd'hui, on crée une horloge miniature. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin de carton dur, de carton souple et d'un morceau d'emballage en plastique transparent. Avec un gabarit ou un compas, tracez un cercle sur le carton dur, le carton souple et sur le morceau de plastique. Les trois de la même taille et coupez-les. Sur le carton souple, tracez un rectangle long qui vous servira de contour. Mesurez le tour du cercle avec pour couper à la bonne taille. Puis ajoutez trois petites encoches, une au début, une à la fin et une au milieu, et découpez le tout. Collez les deux cercles de carton ensemble et décorez avec les motifs de votre choix. Vous pouvez aussi ajouter l'heure. Moi, j'ai un petit peu oublié de le faire à cette étape-là, donc ça sera après. Sur un morceau de carton coloré, ou sur un morceau de carton vide que vous pourrez colorier vous-même, tracez et découpez des aiguilles de la taille proportionnelle à l'horloge, une courte et une longue. Vous pouvez aussi faire l'autre deux si vous le souhaitez. Collez les aiguilles sur le cadre. Et après j'ai ajouté les heures que j'avais oubliées, oups. Ensuite, reprenez la longue bande de papier, en collez une des languettes et collez-la en dessous, comme ceci. Laissez sécher et répétez l'opération pour chaque languette jusqu'à arriver au bout. Ne manque plus qu'à encoller le bord et déposer le cercle en plastique dessus. S'il est trop grand, attendez bien que la colle soit sèche avant de couper. Et voilà, une horloge que vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez en changeant les couleurs et le cadre. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai été malade la semaine dernière, donc j'ai rien pu poster malheureusement. Mais je suis de retour. Comme d'habitude, si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu dans ce style. Je poste un tuto comme celui-ci tous les mercredis et une vidéo un peu plus dessin et tout ça le samedi. En attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye!